tout simplement une dinguerie. Alors aujourd'hui, je te montre des astuces sur Android, sur iOS et surtout, pense bien à t'abonner, à liker et à partager pour continuer à encourager la chaîne. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de tester ton téléphone comme un vrai professionnel? Est-ce que tu t'es posé la question si ton téléphone était espionné? Je vais te livrer deux codes tels que celui-ci, étoile, dièse, 0, étoile, dièse, et voilà le résultat. Maintenant, tu vas pouvoir tester ton téléphone comme un vrai professionnel. Tu vas pouvoir tester chaque couleur, comme ici en rouge, si ton écran met exactement tous les pixels. Tu vas pouvoir tester si le vibreur fonctionne correctement. Est-ce que la couleur bleue s'affiche correctement? Est-ce que le vert s'affiche correctement? C'est bon. Tu vas bien entendu pouvoir tester l'enceinte de ton smartphone et tout ceci fonctionnera avec n'importe quel Android. Est-ce que tu as déjà testé ton smartphone comme ça? Dis-moi ça en commentaire et surtout, pour encourager la chaîne, pense bien à t'abonner. Avant tout achat d'Android, je te conseille de tester ton smartphone comme ça, c'est vraiment très important. Avec cette astuce, tu pourras donc vérifier n'importe quel Android avant d'en faire l'achat pour voir justement si tout fonctionne bien, comme ici, la caméra. Franchement, n'hésite pas à tester avant d'acheter, c'est super important. Tu veux savoir si ton smartphone est espionné? Je te montre tout de suite le nouveau code. Tout de suite, tu vas taper donc étoile, dièse, 2, 1, dièse et tu valideras sur le bouton décrocher. Et regarde ce qui se passe. Un petit cadre en bas va s'ouvrir et si tout est en non transféré, donc tout est en non transféré, ton téléphone est sain. Il n'est pas espionné. Si tu connaissais ces astuces, dis-moi-le en commentaire. Sinon, abonne-toi pour encore plus d'astuces.